Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 28, la numération, les nombres supérieurs à 99 999. Ouvrez vos livres à la page 91 et suivez avec moi. Numéro 16, lisez la question. Complète. Dans 234 758, il y a 1000. C'est-à-dire, combien y a-t-il de 1000 dans ce nombre? Alors, je décompose ce nombre en deux classes. La classe des 1000 et la classe des unités simples. Combien y a-t-il de 1000? C'est-à-dire le nombre de 1000. Donc, je prends le chiffre des unités de 1000 et tout ce qui est avant ce chiffre. Je trouve alors 234. Il y a 234 000. Je continue. Combien y a-t-il de dizaines de mille? De même, j'écris le chiffre des dizaines de mille et tout ce qui est avant ce chiffre. J'obtiens donc 23. Il y a 23 dizaines de mille. Maintenant, je veux le nombre des centaines de mille. Je commence par le chiffre des centaines de mille. C'est le nombre 2. Je remarque qu'il n'y a aucun chiffre avant le nombre 2. J'écris donc 2 centaines de mille. Passons au deuxième exemple. Dans 430 140, il y a 1000. Comme l'exemple précédent, le nombre des 1000 est formé des chiffres qui se trouvent dans la classe des 1000. Il y a 430 000. Combien y a-t-il de dizaines de 1000? Quel est le chiffre des dizaines de 1000? C'est le nombre 3. Avant 3, j'observe le nombre 4. Il y a donc 43 dizaines de 1000. Combien y a-t-il de centaines de mille? C'est le chiffre des centaines de mille et tout ce qui est avant ce chiffre. Je trouve seulement le nombre 4. J'écris alors 4. Passons au dernier exemple. Dans 100 000, il y a centaines. Je cherche le chiffre des centaines dans la classe des unités simples. C'est le nombre 0. Avant 0, il y a le nombre 100. Donc, il y a 1000 centaines. Combien y a-t-il de 1000? Dans la classe de 1000, je trouve le nombre 100. Il y a alors 100 000. Combien y a-t-il de dizaines de 1000? Quel est le chiffre des dizaines de mille? C'est le nombre 0. Avant 0, je trouve le nombre 1. Alors il y a 10 dizaines de mille. Enfin, combien y a-t-il de dizaines? 0 est le chiffre des dizaines dans la classe des unités simples. J'écris alors 0 et tout ce qui est avant 0. Je trouve donc 10 000 dizaines. Merci pour votre attention. Au revoir.